Papa, thank you, my friend. Thank you, my friend. Quartier de haute sécurité de Sourine. Ici, le quotidien, c'est la dope, les guns. C'est dans cet environnement carcéral que nous allons évoluer pour les deux prochains jours avec le Jean-Pi. On n'aurait pas dû se faire choper à la gare. Non, je déconne, en fait, c'est notre piole. Allez, le Jean-Pi. Le Jean-Pi, il est un peu patraque aujourd'hui. Il a la chiasse depuis 3 jours. Ça sera le mot de la fin. Voilà, alors ici c'est la ville des éléphants. Bah, d'ailleurs là il y en a un. Il y en a un faux. Mais là par contre il y en a un vrai quoi. Parmi les voitures et les mobilettes. De seguir esperando cruzar tu suelo. Me enamoré con otra tierra. Me enamoré con un... Alors là je suis avec le Jean-Pi. Et le Jean-Pi, il est content parce qu'on a fait un petit peu de stop. Là, on a fait pas mal de trains depuis le début de la journée. On est parti aux aurores de Sourine. Et là, on arrive à destination. Jean-Pi, s'il te plaît. Bah Jean-Pi, très content Jean-Pi. Alors nous voilà au camping des Rangers de Kaoyan. Et en l'occurrence, on a une journée assez remplie avec Pichef à ma gauche, le Jean-Pi. Et on n'est pas mécontent d'avoir fait ce petit achat malin d'une bouteille de Hong Tong parce que ça a pas l'air d'être des rigolos dans le neighborhood. Ici, c'est ambiance cobra, éléphant et chevreuil à l'intérieur du camping. Voilà, il est là, il arrive. Il va défoncer tout le monde. Il va défoncer tout le monde de trucs. C'est particulièrement. Il est là. Oh putain, tout le monde est flippé là. Truc de ouf. Jean-Max ? T'as le truc se dirige vers le camping, c'est complètement flippant. C'est le gros flippant. C'est trop le gros flip. Il est toujours là, il est toujours aussi énorme, et là c'est la panique dans tout le camping. Alors que notre ami Jumbo défonce un arbre. Passage de l'éléphant. Oh putain, il passe à 5 mètres de nous. Putain, il trace. Je fais des doigts, j'en finis. Non, lui fais rien. Putain, Jumbo. Putain, on est juste derrière l'éléphant là. Merde. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il va nous le ramener là. Putain, il nous le ramène ce con là. Il le ramène dans le parc. Putain, il le ramène dans le camping. Oh là, il charge. Allez, Jumbo. Putain, il l'a ramené dans le camping. Donc on était posé dans ce camping, parfaitement posé, il y avait des singes, des daims, tiens bah d'ailleurs, là il y a des daims. Mais rapport à un éléphant un petit peu trop
comment on dirait, un petit peu trop relou. On doit plier les gaules parce qu'on sait qu'il va revenir ce soir pour tout défoncer comme hier soir. Alors les gens, ils nous ont foutu dehors. On bouge. Alors là, on est avec le chef et on monte ce petit sentier qui, a priori, pourrait nous permettre de voir évoluer des daims, des tigres, des ours, éventuellement des éléphants. Alors que notre ami Jean-Louis évolue, tout simplement, sous les yeux et à quelques mètres de notre ami, le Jean-Max.